Ah, celle-là. Tu ne verrais pas avec? Tu trouves pas que c'est un peu trop décolleté? Bon, non, je trouve pas. Toi, tu te vois pas dedans. Moi, oui, mais toi? Enfin, arrête, Steph, on est presque pareil. Vous disputez pas. Elle a raison, pour une fois qu'on a un peu de calme. Ça remarque, hein. C'est vrai que quand maman n'est pas là... Y a pas à dire, hein. Mais en tout cas, ça fait du bien de rien faire de temps en temps. Ah oui, et puis surtout, c'est rare. Oh. Oh, si maman était là, elle serait déjà en train de nous faire faire quelque chose. Très juste. Je sais pas de quoi vous vous plaignez, elle est super, votre mère. Sabine, toi, on te connaît, hein. T'es toujours d'accord avec elle. Bah, tu verrais si t'étais sa fille. Bon, j'ai rien dit. C'était trop beau. Vous allez voir, hein, ça va être elle, ça va être elle. Et elle a encore oublié ses clés. J'y vais. Ah. Salut, c'est moi. Tellement. Maman, pourquoi est-ce que jamais tu ne prends tes clés? Ma chérie, je t'ai toujours dit qu'une vraie femme ne sort jamais avec ses clés. Bon, d'abord, ça fait très mauvais genre de fouiller pendant des heures dans son sac. Et ensuite, ça permet de savoir toujours où se trouve son mari. Petite maman chérie, je te rappelle que... on est tes enfants, on n'est pas ton mari. Oui, ma chérie, le jour où tu m'expliqueras la différence qu'il y a entre un mari et un enfant, on en reparlera. Oh. En attendant, je viens d'avoir l'idée du siècle. Ah oui? C'est quoi encore? Je viens de lire un sondage dans le journal. Non. Savez-vous quelles sont les femmes qui font le plus fantasmer les hommes? Les top modèles. En premier. Ça, tu as raison. Enfin, si je veux faire de vous des top modèles, il risque d'y avoir du boulot. Sympa. Non, 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 réaliste. Bon, alors, devinez quelles sont les femmes qui viennent en second. Je sais pas, moi... les chanteuses. Non, les infirmières. Hein? Les infirmières? Exactement. Oui, bon, bah, d'accord, les infirmières, mais après? Eh bien, après, mais enfin, c'est tout simple. La voilà, mon idée géniale. Bon. On rend malade les garçons d'à côté, vous vous transformez en infirmière, vous les soignez et ils tombent fous amoureux de vous. Génial, non? Génial, mais comment est-ce qu'on les rend malades? Écoute, j'ai déjà eu l'idée. Pour une fois, vous pouvez essayer de vous débrouiller toute seule pour le reste. Non, mais attends, ma petite maman chérie, on n'a pas le droit de rendre quelqu'un malade. Mais si c'est pour le soigner, ben, je vois pas où est le mal, moi. Vite, tiens, vite! Une, deux, trois. Je suis rapide. Je suis rapide ce matin, je suis en forme, moi. Ça, c'est... je suis en forme, moi, c'est chiant. Salut, garçon. Bah, vous êtes là, je vous avais même pas vu. Bon, tu sais, Gérard, dans l'état où on est, tu pouvais vraiment faire comme si on n'était pas là. Ah ouais, ça sera pas une grande perte. Monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive, racontez-moi? On a fait ce qu'on fait rarement, Gérard. Et on a bien eu tort. Mon Dieu. Ouais. Mais on regrette, ouais. Oh, alors ça, qu'est-ce qu'on regrette? Bon, bah, moi, vous pouvez vous confier. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait les comptes. Et on aurait pas dû. Ah non, parce qu'avant de les faire, eh ben, on savait pas qu'on était ruinés. Et maintenant... Et tant qu'on savait pas, on gardait une petite lueur d'espoir, tu comprends? Mais vous êtes ruinés, mais vraiment? Ah, vraiment, ouais, ouais, ouais. Quand je pense qu'on était si heureux avant de le savoir. Oui, mais ça, c'est terrible, les garçons. Comment vous allez faire pour votre loyer? Ah, oh, mais on n'y pensait plus à celui-là, tiens. Non, ça, c'est sympa de nous le rappeler, Gérard, merci. Mais là, alors, vous n'allez pas pouvoir le payer? Non, non. Puis avec un propriétaire aussi compréhensif que la place. Oh là là, et pour des gars qui voulaient faire fortune, hein? Super, tu trouves pas? Je comprends que vous soyez vraiment désespérés. Enfin, un qui nous comprend. Bon, les... les garçons, vous ne bougez pas d'ici. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Mais vous me promettez d'être sage, hein. Vous ne bougez pas, vous ne faites pas de bêtises. Enfin, Gérard, est-ce qu'on pense qu'on a des têtes à faire des bêtises? Dis-le nous, franchement. Ben oui, vous avez vraiment des têtes à faire des bêtises, alors soyez sage. Ben, tu vois, Gérard, c'est un type en or. Quand il a des amis qui sont dans la poisse, ben, il abandonne tout, tout. Même son travail, tu vois. Ouais. Quand je pense à tout ce qu'il va faire pour nous aider et que ça va servir à rien, ça me donne envie de pleurer. Mais si, monsieur Laplace... mais si, Gérard, mais si... mais le gérant de la salle de sport. Mais si, avec un short à rayures. Oui, oui.
Bon, monsieur Laplace, je vous appelais parce que... Voilà, c'est à propos de mes amis. Mais non, pas Raoul. Non, 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 Pierre et Paul. Oui, vous savez vos locataires, voilà. Voilà, en fait... Bon, en ce moment, ils sont un petit peu gênés. Bon, ils ont des problèmes d'argent, alors si vous pouviez... Non, mais moi, je... Non, mais simplement si vous pouviez... Oui, mais là, ça va pas. Allô? Monsieur Laplace, oui. Oui. Non. Non. Bon, bah, oui. Merci, monsieur Laplace, parce que vous savez, en ce moment, ils étaient vraiment un petit... Les garçons, ça y est, j'ai la solution. Oui, bon, tu sais, Gérard, si tu savais le nombre de fois où on y a cru, nous aussi. Ah ouais, on ne la fait plus à nous, maintenant. Non, mais attendez, j'ai appelé monsieur Laplace donc pour lui dire que vous ne pouviez pas payer votre loyer. Quoi? Bah oui. Ah ouais, d'accord, alors il nous laisse combien de temps pour faire nos bagages? Mais non, vous n'allez pas faire vos bagages, il a trouvé une solution, je vous dis. Ah oui, ouais, ça va, j'ai compris, ça va, il nous met à la porte et puis il garde nos affaires. Mais non, c'est pas ça, il est pas comme ça, monsieur Laplace. Au début, c'est ce qu'il voulait faire, mais après, il a trouvé une autre solution, parce qu'en ce moment, bon, c'est vrai, il a des problèmes d'argent avec ses impôts, tout ça, mais il a trouvé vraiment la solution. Il vous offre du travail. Hein? T'entends ça, Paul? Bien, monsieur Laplace, il sait qu'on est pris à la gorge, il nous offre du travail. Ah, bon, raconte. Bon, ben voilà, il a un mailing à faire pour demain soir. 50 000 enveloppes à coller. Et ben, si vous le faites, en échange, il vous donne 15 jours de délai. C'est bien. Et on est payé? Ça, j'ai pas demandé, hein. Enfin, je vous ai dit que je trouverais une solution. J'ai trouvé une solution. Les garçons, vous voyez que la vie est belle. Merci, Gérard. Après tout, ça nous fait quand même 15 jours de sursis. Et 50 000 enveloppes à coller. Bon, Gérard, dites-moi, ça a l'air d'aller aujourd'hui. Ah oui, je peux dire que je suis en forme. C'est-à-dire que je suis tellement fière de travailler pour un patron comme M. Laplace que... Ah, bon. Très bien. La salle du V est prête. Oui, pratiquement, mais il faut que je la désinfecte parce que Mme Ozepi a une grippe en ce moment. Je ne fais rien, je suis vaccinée. Oui. Ah oh, bah vous pouvez y aller parce que le vaccin contre la grippe, c'est radical, hein. Ah. Le vaccin contre la grippe, c'est radical. Oh, bonjour Cindy. Cindy, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merveilleusement bien. Au fait, est-ce que vous êtes vaccinée contre la grippe? Ah non, mais c'est sympa de nous y faire penser, Cindy. Oui, parce qu'au train où vont les choses... Ça, je vais me faire bronzer un peu. Ah, c'est rare. On va coller nos enveloppes. Les filles, j'ai trouvé la solution à notre problème. Regardez. Oh, et qu'est-ce que c'est? Un flacon plein de concentré de virus de la grippe. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Enfin, tu n'as pas encore compris. On rend les garçons malades pour que les gentilles infirmières que vous allez devenir puissent les soigner. Maman, voyons, on ne peut pas faire ça. Maman, c'est ridicule. Moi, en tout cas, je veux pas participer à une chose pareille. J'ai eu assez de mal à l'obtenir, ce flacon, alors vous n'allez pas commencer à râler. Puis d'abord, tu l'as trouvé où, ce flacon? C'est Debré Rueil qui me l'a donné. Je suis allée le voir au labo. Mais il a vraiment fallu que je déploie tous mes charmes. Oh, si c'est Debré Rueil, effectivement, ça m'étonne pas que tu l'aies eu, parce qu'il fait toujours tout ce que tu lui demandes de faire, alors. Ah oui, ah bah oui, ah bah peut-être. Mais cette fois-ci, il a vraiment failli refuser. C'est vrai, pour un médecin qui travaille dans un laboratoire de recherche, laisser partir un flacon plein de concentrés de virus de la grippe, bah, c'est pas si évident que ça. Bon, allez, maintenant, les filles au travail. Bon, maman, ça ne se fait pas de rendre les gens malades. Silence. Quand je dis on fait, on fait. Bon, très bien. Les filles, vous faites comme vous voulez, mais c'est sans moi. Ah, bah, parfait. Si tu veux que tes sœurs y aillent sans toi, c'est ton problème. Les premières arrivées seront les premières servies. Ah. Les filles, vous allez pas faire ça, j'espère. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Oh, ma petite Sabine. C'est-à-dire, peut-être qu'on... Peut-être Karen qu'on... Oui, bon, d'accord, d'accord. Bon, bah, je dis comme Claire, quoi. Ah. C'est déloyal. Non, mais on ne t'a jamais dit qu'en amour, tous les coups étaient permis. C'est pas parce que t'aimes quelqu'un que tu peux tout te permettre, c'est absurde. Eh bien, moi, je dis qu'une femme qui a des scrupules est une femme qui n'est pas vraiment amoureuse. Quand on aime, enfin, on oublie tout, non? Bah, oui, peut-être, mais là, c'est pas pareil. Et quand on oublie tout, on oublie ses scrupules, non?
attends, maman, arrête, parce que là, je suis complètement brouillée. Donc, c'est bien ce que je disais. En amour, tous les coups sont permis. Écoutez, les filles, je voudrais pas dire, mais votre mère a raison. Ah, écoutez, maintenant, ça suffit. Hein. Moi, je rends les garçons malades, et puis après, vous ferez ce que vous voudrez. Genre, au moins, j'aurais rempli mon rôle de mère. Tenez, regardez. Regardez ce que j'ai acheté pour l'occasion. Oh, non, maman! On en a fait combien depuis tout à l'heure? 7204, 5, 6. Ouais, bah, il faudrait 7. Augmenter là, la cadence. Hein. Ah ouais, mais moi là, j'en peux plus. Hein. Ah, on peut. On arrête, on fait une pause et on augmentera la cadence, mais après. Hein. D'accord. Ah, j'ai une de ces soifs, moi, dis donc. Oh, non, je pensais pas que c'était aussi épuisant de coller des enveloppes. Ah oui, mais les enveloppes, tu sais, c'est comme les fourmis. Une enveloppe toute seule, c'est pas dangereux. Mais quand elles sont 50 000... Merci, Paul. Mmh. Hey, attention, on a dit pas de pause de plus de 2 minutes. Hein? Non, bah non, attends... Écoute, Paul! Quoi? Mais tu peux pas être raisonnable une fois de temps en temps. Oh, bon, combien il nous reste de temps avant la fin de la pause? 10 secondes. Hein? 9, 8. Oui, oh, bah ça va, autant 7, y aller tout de suite. 6, 5, 4, 3, 2. Hein? Top! Tu sais, le mieux pour garder le rythme, ce serait de ne pas parler. Bon. Eh ben alors, tais-toi. C'est bon, ils sont là, je les entends. Allez, au travail. Ici, petit Fiocus. Faites votre œuvre d'amour. C'est toi qui fais ce bruit-là? Quel bruit? Bah, t'entends pas, là, on dirait un pchit pchit. Ah, t'entends pas de pchit pchit? Bah, t'as pas entendu, là? Non, le bruit. Je te dis, j'ai rien entendu. Achou! Merci. Sublime ces costumes d'infirmière. Ma blouse, elle a un petit peu serré la poitrine, non? Mais ça, c'est de ta faute. Il fallait te mettre au régime. Oui, ma petite Sabine, fermez bien les boutons jusqu'en haut. Parce que ce qui fait rêver les hommes chez les infirmières, c'est justement leur côté strict. Comme ça? Exactement. Ah. Bon, Stéphane. Voilà. Ah, ben c'est parfait. Karen? Ah, qu'est-ce que t'en penses, maman? Ah, très bien, très très bien. Bon. J'ai un peu serré la main. Voilà. Vous avez vos thermomètres? Oui. Oui. Oui, très bien. Alors, surtout, ne les perdez pas. C'est un outil indispensable pour séduire un homme. Bon. Tout le monde est prêt? Oui, bon, on est prêtes, maman. Oui, maman. Oui. Eh bien, on va y aller. Normalement, les petits virus ont dû faire leur effet. Puis, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il faut s'attaquer au mal quand il est à terre. Oh là là, si seulement mes filles pouvaient vous ressembler. Bon, allez, allez, en avant. On y va. Je crois qu'on arrive au bon moment. Ils sont qui à point? On sonne. Debré Rueil a dit qu'il fallait attendre à peu près 2h15 pour que le sujet soit au plus mal. Voilà, allez, on sonne. Oui, on arrive. Il tarde à venir, le virus fait son effet. C'est vous. Qui c'est? C'est les voisines.
On est venu pour vous soigner. Ah, mais comment vous savez qu'on était malade? Enfin, une femme sent toujours quand un homme est malade. Bien sûr, et quand elle le sent, eh bien, immédiatement, elle accourt. On peut pour le soigner. Oui, c'est la voix du cœur. Et quand le cœur parle, rien ne nous résiste. Ayez confiance, nous savons être très douces. Qu'est-ce que vous faites? Mais on vient vous soigner. Bon, allez, laissez-vous faire maintenant. Allez, hop, on s'installe. Voilà. Oh, vous en avez de la chance. Vous êtes en deux trous. Ils sont malades, ces pauvres petits, quand même. Ça me fend le cœur. Oui, ils ont au moins 40 de fièvre. Hein? Détendez-vous, Paul, enfin. Oh non, allez. Non, vous feriez mieux de rester couché. Ça vous fera le plus grand bien, Paul. Attendez, il faut que je dise quelque chose à mon frère. Moi aussi, il faut que je parle à mon frère. Mais ça va prendre que quelques secondes, hein, juste quelques mois. Oh, ouais. Paul. Pêchez-vous. Ça me rappelle quand on était petite. Oui, sauf que là, on peut quand même pas tout leur faire. Mais si, au contraire, ils adoreraient ça. Tu crois? Oh non, mais moi j'oserais jamais. Quand je me souviens toutes les choses que je faisais à ma poupée. Et ben justement, les hommes c'est comme les poupées. Ils adorent qu'on s'occupe d'eux, ils sont toujours d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je sais pas. Moi, les infirmières, je les ai toujours trouvées très excitantes. Ben, je vais te dire, moi aussi. Je vais craquer, là, Pierre. Même dans l'état où je suis, je sens que je vais craquer, là. Paul, écoute. Tiens le coup. Il faut se serrer les coudes, sinon on peut dire adieu au pacte. Mais dis, le pacte, il est valable même quand on est malade. Il est valable tout le temps, le pacte. On y retourne? Non. Il faut attendre un petit peu que je me calme. Après, on pourra faire ce qu'on veut, mais j'ai besoin de me calmer un petit peu. Bon ben, j'ai une idée, là. Ah oui? Les enveloppes de la place. Quoi, les enveloppes de la place? Eh ben, on pourrait leur demander de nous aider à coller les enveloppes de la place. C'est vrai, des filles qui collent des enveloppes, c'est un peu moins sexy, même. Même si elles sont d'infirmières. Bonne idée. On y va. Excusez-nous, les filles. On a un petit problème. Ah bon, mais lequel? Mais c'est parce qu'on devait coller les enveloppes de Monsieur Laplace. Ouais, et pour demain, on n'aura jamais fini, alors. Vous pourriez ça vous embêterait de nous donner un petit coup de main? Ah oh ben moi, en tout cas, non. Ah oh ben moi non plus, si ça peut vous faire plaisir. Vous savez, qu'est-ce qu'on ferait pas, hein, pour vous faire plaisir? Vous êtes génial. Elles sont là. Bon, et ben alors qu'est-ce qu'on attend? On s'y colle? Pardon. C'est pas possible! Comment est-ce que ça vous a pris? Tout d'un coup, comme ça. Tu sais, quand on les aidait à coller leurs enveloppes. Ouais. Non, c'est bizarre, hein, parce que d'abord, on s'est sentis comme ça, tout à coup, complètement brûlante. Et puis, quelques secondes après, je sais pas ce qui s'est passé, on était glacés. Et puis après, on était complètement anéantis. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est bête. C'est bête parce que, maman, je te jure, ils commençaient à nous regarder d'une drôle de façon, les garçons. Vraiment? Ah ouais. Je suis sûre qu'ils avaient l'air complètement séduits. Moi, Pierre avait juste commencé à me faire du pied. Enfin, pourtant, je vous ai demandé si vous étiez vaccinée contre la grippe. Mais oui, maman, nous sommes vaccinés contre la grippe. Maman, comment tu peux poser la question puisque... Pardon, c'est toi qui as pris rendez-vous avec le médecin. Il peut se préparer à un procès en règle. Le médecin, là, qui a fait semblant de vous vacciner. Enfin, vous voyez le résultat, si c'est pas malheureux, tout ça. On était près du but. Oh, on sait pas comment ça s'est passé, Cindy. Ça
C'est nous. C'est nous. Mais vous avez réussi à vous lever? Oui, alors venez prendre des nouvelles. Et nous, ça va beaucoup mieux. La fièvre commence à tomber, ça c'est grâce à vous. Hein. Ouais. Merci pour tout à l'heure. Bon, on y retourne alors. Hein. En tout cas, heureusement que vous nous avez aidé à coller les enveloppes, parce que sans vous, on n'y arrivait pas. Hein. Oh, pas de rien. Ça, c'était tout à fait normal. Oh, ça fait un plaisir, voyons. Bon, excusez-nous, on peut pas rester. C'était vraiment sympa de votre part, en tout cas. Au revoir, Cindy, puis surtout, soignez-les bien. Hein. Et voilà, bravo. Au moment où vous auriez pu en profiter. Tu sais quoi, maman? Eh ben, j'ai mal à la gorge. À mon avis, c'est une punition du ciel. Moi, je ne fais pas grand... Volontairement, les gens malades, hein? Vous arrêtez vos bêtises, comme si le bon Dieu n'avait rien de mieux à faire que de vous punir, enfin. Oh là 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 là. Oh, Cindy. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, en fait, j'ai eu monsieur Laplace au téléphone et il a demandé au garçon de lui faire un mailing. Oui, bon, on est au courant. Oui, ben... Eh ben, pour ce mailing, monsieur Laplace avait acheté des enveloppes en solde. Oui? Et alors? Eh ben, alors, en fait, la police l'a appelé pour lui dire que ces enveloppes étaient toxiques. Hein? Comment ça, toxique? Ben oui, en fait, c'est la colle qu'il y a dessus, qui est composée d'un produit interdit. Il paraît que ça donne une fièvre de cheval. Alors moi, ben, j'ose pas aller voir les garçons. Ben, Dieu seul sait dans quel état ils sont aussi, hein. Bah, vous non plus, les filles, hein, ça a pas l'air d'aller fort, 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 hein. C'est pas... Non, ça va pas fort, 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 Gérard. Non.